chantons, chantons, ça a plein poumon, chantons, ça pètre haleine pour la jolie vilaine. Chantons, amis, chantons, et pour son compagnon, le jeune et mon vilain. Chantons, chantons jusqu'à demain. Je suis heureux car j'épouse aujourd'hui ma voisine, la jolie vilaine. Cependant, l'expression de ta physionomie semble mélancolique. Eh bien oui, mes amis, je souffre, je souffre. Je suis jaloux. De quoi? De qui? Du seigneur du château féodal. Seigneur du château féodal. Cette nuit, en vertu du droit de jambage, c'est lui qui partagera la couche de la jolie vilaine que j'épouse aujourd'hui. Il faut te résigner, c'est l'usage. C'est le droit du seigneur du château féodal. Je n'étais pas si pauvre, j'aurais loué les services d'une ribaude pour la nuit. Celle-ci aurait remplacé ma femme dans le lit du seigneur du château féodal. Bah, une nuit est bien vite passée. Cependant, quand je pense que ce cynique débauché s'ébattra cette nuit en compagnie de ma jolie vilaine, je ne puis réprimer un mouvement de mauvaise humeur. C'est, dit-on, la fière gaillard. Je me souviens. Ma femme, après avoir passé sa nuit de noces avec le seigneur du château féodal, fut d'une exigence révoltante. On a beau être un cerf horrible, petite jupe écossaise.
Maintenant, chantons. Chantons, amis, chantons, chantons à plein poumon, chantons à pêtre à laine pour la jolie vilaine. Chantons, amis, chantons, et pour son compagnon, le jeune et bon vilain. Chantons jusqu'à demain. De rentrer dans ma chaumière pour attendre le Seigneur du château féodal. J'ai le cœur brisé. Coraggio. Chez toi pour oublier ton chagrin dans le sommeil. Non, je ne pourrais pas dormir en sachant ma femme dans les bras. Seigneur du château féodal. Le voici justement qui s'avance vers ton logis, soutenu par son fidèle écuyer, ivre mort selon sa habitude. Seigneur du château féodal.
blanchit en titubant le seuil de ta chaumière. Je ne puis plus longtemps supporter ce spectacle. Allons, viens, ami, viens passer la nuit dans mon humble demeure. Je n'ai pas eu la patience d'attendre plus longtemps pour revenir dans ma chaumière afin de consoler ma femme. Mais le seigneur du château féodal n'est peut-être pas encore parti. Entrons sur la pointe des pieds. Que vois-je ? La porte de la chambre nuptiale est ouverte. Ma femme dort un profond sommeil. Le lit n'est pas en désordre. Que veut dire cela? Tiens, mon mari. Le seigneur du château féodal est-il parti? Je n'ai vu personne cette nuit. Quoi? Le seigneur du château féodal n'a pas passé la nuit à tes côtés? Non, je l'ai attendu selon l'usage. Mais ne le voyant pas venir, je me suis endormi. C'est incompréhensible. Le seigneur du château féodal a pourtant pénétré dans ma chaumière hier soir. Mais chut, quelqu'un sort de la chambre voisine. C'est le seigneur du château féodal qui sort de la chambre de mon grand-père écossais. C'est horrible. Oui, c'est horrible. Hier soir, comme je commençais à m'endormir, le seigneur du château féodal est entré dans ma chambre et me prenant pour la jeune mariée, probablement à cause de ma jupe d'écossais. Il s'était lancé vers moi et vous ne l'avez pas détrompé, grand-père.
cette erreur providentielle, allez faire votre bonheur, je me suis tue. Et ma foi, le Seigneur du château féodal ne s'est aperçu de rien. Je vois que je ne suis pas ton grand-père. Ce miroir vient de me révéler la vérité. Je vois que je suis ta grand-mère. Grand-mère, grand-mère. Ah oui, je me souviens à présent. C'est ton grand-père qui devait venir au mariage. Et la veille de son départ, nous avons bu quelque peu pour fêter ce joyeux événement. Et le lendemain, le serpent encore obscurci par les vapeurs de l'ivresse. Au lieu de mettre mes vêtements de femme, j'ai revêtu le costume de mon mari. Et je devine la suite. Vous voyant habillée en jupe, vous vous êtes prise pour notre grand-père. Tu as deviné. Et cette erreur aurait pu se prolonger bien plus longtemps si je ne m'étais regardée dans ce miroir et reconnue. Tout bien réfléchi. L'intention y était. Et maintenant, bénissez-nous. Te Deum laudamus. Te Dominum confite. Padre.
Yet, yet, yet.
j'attends mon mari. J'attends mon mari. Il revient aujourd'hui de la forêt vierge. Bonjour, femme. La soupe est-elle prête? Après 3 ans d'absence, c'est tout ce que tu trouves à me dire. T'annonce aussi avec ménagement une mauvaise nouvelle. Je suis désenglandé. 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 Sa fortune. Bonjour! La condition que nous ayons au moins un enfant. Donation! Fatalité! Moi qui t'attendais, frémissante d'un désir pour accomplir les dernières volontés de la tante victoire. Il faut agir! Je se ressemble. Fasse le ciel que je retrouve mes glands.
de 2 ans que mon mari court après ses glandes interstitielles. Plus de nouvelles de lui. J'ai la triste conviction qu'il a péri au cours de ses périlleuses recherches dans la forêt vierge. Désespérant de le revoir et désirant entrer en possession de l'héritage de tant de victoires, je me suis donné au vergalant du faubourg Saint-Germain qui me poursuivait de ses assiduités. Assiduités. Pour avoir enfant, j'ai étouffé en moi la voix du remords et surmonté la répulsion de l'enlacement adultère. Un heureux événement a récompensé mon pénible sacrifice et dans quelques jours, je serai mère. Un bruit de botte, ciel, c'est mon mari. Je suis perdu. Bonjour, femme. Je reviens bredouille. Je n'ai pas. Mais que vois-je? Pitié! Oh, misérable! Je te croyais mort, c'était pour l'héritage. Ah, purulence, putréfaction. Pendant que je parcourais inutilement la forêt vierge, en tous sens, à la recherche de mes glandes interstitielles. Par amour que je me suis donné. Celui qui servit sans le savoir mes secrets desseins n'est ni jeune ni beau. Que porte l'enfant qui va naître celui de l'adultère? L'héritage. Je n'en veux pas à ce prix. Je ne veux pas. Mais de l'argent, du déshonneur. Mais je procurerai la vérité. Mais et brûle d'abord de châtier votre complice. Sa profession ne peut pas. Son adresse. C'est le vergalant du faubourg Saint-Germain. Adieu. Madame, je vais venger mon honneur.
dire. Monsieur, je suis gentilhomme et me tiens à votre disposition. C'est votre droit, faites donc. Mais auparavant, je vais vous révéler une chose qui rabaissera votre orgueil. Ma femme s'est donnée à vous par intérêt pour toucher un héritage. Vous savez tout. D'ailleurs, plus je vous regarde, et plus je me demande comment vous fûtes capable de me faire coquer. Ah, monsieur, brisons-la. Je ne vous permets pas de mettre en doute ma virilité. Elle m'a coûté assez cher pour que j'en sois fier. Que voulez-vous dire? Je veux dire que j'ai payé au prix fort une opération exactement contraire à celle que vous firent subir les sages. Comment savez-vous que je... Quoi? On vous a griffé des glandes de sages. Un singe extrêmement poilé, quand vous retournant, vous pouvez voir empaillé sur ce socle. Si vous avez ces glandes, ce sont les miennes. Je ne suis plus cocu. Peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Et vos caritures
voici devant la maison de Juliette. Une armoire à glace est attachée à son balcon, c'est le signal. Je peux monter. Plaçons cette vulgaire échelle de jardinier contre le mur et montons accrocher ma poétique échelle de soie au balcon de Juliette. Maintenant, redescendons, enlevons la vulgaire échelle de jardinier et montons définitivement vers Juliette par la poétique échelle de soie. Roméo. Juliette. J'embrasse mes parents, c'est un flic, sans un tête, c'est une inexpliquée, qui vit sur son compatriot, et notre mariage. Nous n'avons plus qu'à mourir. Non, chère Juliette, j'ai consulté un ananachorète de mes amis. Il m'a donné un narcotique de sa composition. Comprendre. C'est un narcotique que nous allons prendre. Nous donnera l'apparence de la mort et nous endormira pour une soixantaine d'années. À notre réveil, la colère de nos parents sera sans doute calmée. Nous pourrons nous aimer en toute sécurité. Sécurité et... Mais si je calcule bien, cher Roméo, à notre réveil nous serons âgés. Alors, 60 plus 18. Âgé de 78 ans. Oui, mais ce puissant ananarcotique conserve la jeunesse. Nous nous réveillerons dans 60 ans aussi jeunes qu'à présent. Thank you.
bien passé. Nous avons dormi 60 ans sous l'influence de la narcotique. Hier soir, vers 7h15, nous nous sommes réveillés et nous avons pu quitter notre cave de famille sans attirer l'attention. Pour chercher un médecin. Curieux. Juliette vient de mettre au monde un enfant de 59 ans. Mais le voici qui vient dans les bras de sa mère. Mon père, soyez mouni. Grâce à votre ridicule invention, j'ai l'ennui triste et solitaire, sans pouvoir vivre ma vie.
suprême ironie, j'ai l'air d'être le grand-père de mes propres parents. Pardon, mon fils, pardon. Tu es mon fils, tu es ma chair, tu es mon sang, le sang des Montagues. Montagues, Montagues. Ce danseur me fait bouillir de rage. Je suis pris d'une envie de carnage. Tue, 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 tue. C'est son Montaigu, aigu, aigu. Tu m'as tué. J'avais chère Juliette Capulet. 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 Il a dit Capulet. Ce danseur me fait bouillir de rage. Je suis pris d'une envie de carnage. Tue, 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 tue. Chère Juliette, nous mourrons victimes de nos tristes amours. Notre enfance passe ardoise du sang des tassulés dans les veines. Il n'a dû supporter la vue d'un contenu. Les sans ennemis des Capulet et les Montaigu se combattent en moi. Ce sont Capulet.